était à la campagne, près d'un certain canton de Basse-Bretagne appelé Quimper-Corentin. On sait assez que le destin adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Un voyage entre littérature antique et poésie contemporaine. À la lueur d'une lampe de poche, les lecteurs découvrent des livres d'artistes sortis exceptionnellement des collections de la médiathèque. La nuit, l'endroit se révèle sous un autre jour. Désespéré d'apprendre que celle qu'il chérissait allait devenir la proie du monstre, le jeune homme osa attaquer celui-ci dans sa caverne et le combattit avec une telle rage qu'il en vint à bout. C'est une occasion fabuleuse de pouvoir faire des lectures, donc d'être au cœur de notre métier et puis de partager aussi avec le public toute l'émotion qu'on peut avoir nous quand on déballe un livre d'artiste ou qu'on se plonge dans la lecture d'un texte. Oui. Instant privilégié avec le public. Chacune a l'air d'avoir préparé ses petits textes en fonction de ce qu'ils avaient à présenter et elles se répondent comme ça l'une l'autre sur un thème. C'est vraiment charmant. Vous êtes venue chercher quoi là au Océane ? Un moment plus humain avec les bibliothécaires parce qu'on les croise, on leur demande des renseignements, des petits conseils. Et là, du coup, on les découvre sous un nouvel angle également. C'est précisément le but de la nuit de la lecture. On a encore cette image trop restrictive de ce qu'est la lecture. Et là, c'est une façon, une autre façon encore de montrer la lecture publique sous un jour convivial qu'on souhaite faire partager. Ambiance moins tamisée côté enfant, mais lecture tout aussi sombre, sur le thème de la nuit, bien sûr. Par une sombre nuit de tempête, le fantôme se mit à gémir. Pourquoi gémis-tu ? Lui demanda le tabouret. J'aime bien lire les histoires que je connais pas et... J'aime bien. J'aime bien les histoires, ça m'aide à m'endormir. Il commence à être tard, bientôt l'heure de rentrer, bientôt l'heure de l'histoire.